Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis en compagnie de Christophe Boss pour commenter ce quart de finale du championnat de France de doublette masculin. Donc, qui va opposer Dylan Rocher, Henri Lacroix du CD 83 du Var, à Corentin Robillard et Pierre Figara des Côtes d'Armor. N'hésitez pas à partager la vidéo. Les Côtes d'Armor qui viennent seulement de finir leur 8e de finale contre Christian Lagarde. Parti gagné 13 à 9 après 2 heures de jeu. Tandis que Henri Croix et Dylan Rocher ont battu en 8e de finale ce matin Jean Feltin et Messon Dieu. Allez mon petit. Beau point d'Henri. Allez, coach. Il est à peu près 8 m 59. C'est tapé de la part de Corentin. Beaucoup de monde encore ce matin à Dijon. Les tribunes sont pleines. La météo est avec nous, donc tout va bien. Le champ qui va bouger un petit peu. C'est vrai que sur ce terrain-là, un peu plus le bouchon, il a tendance à avancer assez vite quand même. Comme je disais ce matin, le terrain a beaucoup évolué par rapport à hier. Et du coup, le terrain est quand même légèrement remonté. Sur cette semaine-là, il y a beaucoup moins de sable et de cailloux. En revanche, vous allez voir, quand on va jouer dans l'autre sens, en redescendant, il y a des paquets de sable. Et on voit que les gros cailloux commencent à ressortir. En même temps, c'est normal avec le nombre de parties qu'il y a eu. Et n'oublions pas qu'on joue quand même sur un parking, donc c'est goudron. C'est ça. Belle reprise de. Bah, il vient brancher pour sa première. C'est je pense qu'on est pas loin des 10 mètres, voire plus. On est, oui, aux alentours des 9,50 mètres, c'est ça. Alors n'hésitez pas à partager la vidéo. Et abonnez-vous sur la page Pétanque Folie et participez au jeu concours. Il y a 3 triplettes à gagner. Le tirage au sort se fera dans la semaine. Tandis qu'à côté, nous avons une partie de quart de finale du championnat de France de tête féminin qui oppose la Charente-Maritime, Sandrine Poinçon, aux demi-finalistes du championnat de France mixte avec Damien Legros cette année, qui est opposée à Hugues Garonne de Tairo Correa. Avec pas des masses ici. Sandrine Poisson qui vient de prendre le score, le premier mène 2 à 0 pour la Charente Maritime. C'est chiqué, c'est chiqué de la part de Corentin. Alors nous, quant à nous, on tient à remercier le comité de Côte d'Or et surtout particulièrement Alain Vaurion qui a demandé à la Fédé l'autorisation pour qu'on ait une partie. Ce matin, oui. Et ce matin, du coup. C'est la TV fédérale qui est à côté. C'est ça. Et du coup, eh ben, on est gâtés puisqu'on a en fait soi et Dylan Rocher. Thank you.
rend compte que ça roule malgré tout. Mais même si ça roule, je pense que le point est perdu parce que je vois Henri qui va au rond. Et trois boules en main encore pour l'équipe triple championne de France. D'ailleurs, ce serait historique hein, si Henri et Dylan venaient au bout de ce championnat. Mais déjà, parce que je pense que 3 ça s'est jamais fait. Et 4 à la filée et 4 non plus. Ah, forcément. Et ils sont en quart de finale. C'est ça. Ça arrête. C'est bien joué, je vais rajouter. Encore debout là, du côté d'Ilan. Et le jeu est assez ouvert, surtout pour un gaucher. On a vu qu'Henri avait mis un petit effet rentrant de gauche à droite. Oula, c'est pas passé bien quand même. 4 points pour l'équipe du Var qui attend très bien ses quarts de finale. Et 4-0 pour cette première mienne, pour les Dylan Rocher et Henri Lacroix. Mais quant à nous, on est toujours, ce mandat est toujours accompagné d'Adrien Dubief, qui nous a accompagnés tout au long de ce championnat de France hein, pour nous aider à installer le matériel. Et aussi à entraîner le monde des joueurs. C'est très bon travail. Donc Henri Lacroix qui a jeté le mouchoir hors des limites du terrain, ce qui fait que l'équipe des Côtes d'Armor le pose à la main. Un petit 8 mètres je pense. Donc c'est là qu'on va partir sur le côté du terrain un peu plus loin. Henri qui décide de jouer de l'île en descente. Je pense qu'il va s'y trouver une petite donne, voilà, tout simplement. On prend un certain nombre d'euros. Qui envoie Corentin au tir d'entrée. C'est cadré. Est-ce qu'on pointe, est-ce qu'on tire? Sur le terrain 13, avec une réalisation au titre de l'une de la plus évidente, nous avons passé un peu de temps. C'est le récréé. 1-0, face à Marie de Loire. Et pensé qu'il allait plutôt la jouer après le trou. Je pense qu'il a trouvé un bon départ. Je pense qu'il a trouvé un bon départ. Parce que c'est vrai qu'après, ça n'a pas l'air très très joli quand même. On voit qu'il y a pas mal de pierres qui sont ressorties. Donc, je pense qu'il peut bien assurer. Et qu'on renverse encore une nouvelle fois frappé. Tandis que chez les femmes, égalisation bleue partout de la joueuse de Haute-Garonne contre la Charente-Maritime. C'est vrai.
qui est une nouvelle fois. D'accord, Corentin lui. Il va tirer ça pour lui. Allez, Coco. C'est beau, frappé, mais c'est frappé. C'est beau, mais c'est frappé. Mais... Très bien tiré de la part du pointeur de Côte d'Armor, Pierre Frigara. Il essaye de se mettre dans le bouchon. Allez, Pierre, on va continuer. Tandis que chez les femmes, sans donc pour un seul, il vient d'inscrire deux nouveaux points et prend la tête de la partie 4 à 2. Ah, c'est manqué, c'est juste pour vous. Une tribune bien garnie quand même. Il y a du monde ce matin, il y avait du monde. Beaucoup de monde hier aussi. Beaucoup de monde hier également. Dans tous les cas, les tribunes sont. Bah, du coup, on va sur le point, c'est bon. Si il vient à manquer et puis que Dynamo Rocher, Dynamo Jumbo lui vient de récupérer, ça fait 3 points. C'est ça. Puis on va plutôt assurer et puis essayer de gagner le point. Et... Il a gagné le point, il a à peu près 20 cm du bouchon. Après ça, il est vidé la casse. Si on ne sait pas s'il se met devant la boule. Sur le terrain 6, c'est un peu stylé, le père, un héros, qui a fait de ce quart de finale 4 à 2, face à la Brousse de la Pologne. C'est bien envoyé. C'est repris. Là, c'est repris. Très bien joué. J'ai vu la forme de Dylan, j'ai vu que ça ne suffit pas trop mal. Et voilà, ça fait un point. C'est 5 à 0 pour l'équipe du soir. Belle même, pas beaucoup de déchets. On se bouge sur l'île de jouer. Et bien, le VAR a bien commencé ce quart de finale, 5 à 0. Alors n'hésitez pas à partager la vidéo et puis sur la page Pétanque Movie. Retrouvez-nous, abonnez-vous et participez au jeu. 3 triplettes à gagner, le tirage au sort sera mauvais la semaine prochaine. Thank you.
Mais distance encore. Je pense qu'on est sur les alentours des 8 mètres, 8 mètres 50. Ça c'est quasi un fin de la croix de la première qui revient pour la terre. La première qui reste malgré tout sur 3 frappes, la même précédente. Il a tiré 5 buts, il est à 4 sur 5. Enfin, la chiquette de la première main, il est à 4 sur 5. Il n'avait pas frappé. Alors il a l'air d'être très content parce qu'il arrive par Cabri. Le problème, c'est que contre des équipes comme Henri et Diane, quand tu ne cadres pas, tu es tout le temps sous la bouche, en fait, le problème il est là. Tu es toujours en désavantage de vous. C'est ça. Tandis que chez les féminines, la Garonne recolle au score et n'est plus menée que 4 à 3. Entre Sandrine et Vincent. Grosse différence, ça c'est des terrains. J'en discutais un peu avec lui hier, on disait que c'est des terrains qui sont plutôt très agréables et surtout au tir, c'est vrai que c'est avantageux. Après, je pense que l'année prochaine, c'est ça, c'est ça, le but. Je fais une partie sur l'herbe et il est toujours aussi bien. Très très bon niveau aussi chez les femmes, Sandrine Poinceau, même 4 à 3 contre Taïro Torea, mais ça fait 4 à 3 de degré. C'est manqué le manquer. Avec les carreaux de Diane Rocher, quasiment. Là, c'est délicat maintenant, parce que c'est déjà 0,53, vous êtes gardé par terre, donc la roi. C'est la question. Là, il y a danger. Il y a toujours danger. Qu'est-ce qu'il y a déjà danger quand tu joues contre une équipe comme eux? Mais je pense que ça va partir le bouchon, la boule est à 25-30 derrière le but. Je pense qu'il va tirer le bouchon en espérant le sortir, et au pire je tape la boule quand même. Ça sera un tir au bouchon dans tous les cas, pour hésiter. Je pense qu'il a raison pour hésiter. C'est manqué, c'est manqué. Et là le dilemme va éviter le but, je pense que Pierre Figara va se lancer au but. Et les champions France triplette de la Hudson, c'est un peu d'homme, mènent 5 à 1 dans leur quart de finale. Belle saison pour eux. Champions France triplette, ils sont encore en course. Oui. Belle saison pour eux. Et on a filmé hier matin, n'hésitez pas à aller voir la vidéo hein, sur la page Pétanque Publique. On a filmé la première partie de Kevin Prudhomme et Georges Feltin. Et Georges Feltin. On retire au bouchon. Ah, il l'a touché. Alors, il est tombé au pied du bouchon, mais ça n'a pas suffi. La boule a bougé un peu, mais je pense que le point est toujours chez les Barrois. Et en ce qui concerne Kevin Prudhomme, allez voir la partie sur la page Pétanque. Il a fait environ 10-11 carreaux et dans une main exceptionnelle, il en a fait 3. Alors là, il y a plus que danger parce que là, il se retrouve avec plus qu'une boule. Une boule à 4 et le point pour l'équipe de Rocher. Et leur troisième, enfin leur deuxième boule à Rocher qui est encore pas très très loin, qui compte encore. Hein, donc ça peut leur faire très très cher sur la main. À moins d'en bouchonner. C'est gagné de la part du pointeur du Côte d'Armor. Tandis que chez les femmes, sans doute, on va inscrire un point et même désormais 5 à 3 face à Taïro Torea de la Corrèze.
C'est cadré pour Dylan. C'est cadré, je pense que. Ah oui, on a deux. Je vais faire 4 points. Je sais pas si on a deux. Ah oui, on a deux boules. Oui, oui, mais je veux dire par là, c'est que Dylan tire à 3. Est-ce qu'il va pointer les deux siennes et est-ce qu'après Dylan va les tirer plus que 5 ou alors ils vont assurer les 4 points et monter à 9-0. Il n'y a plus qu'à rajouter. Ça doit compter, je pense. À moins qu'il en ait 3, peut-être déjà partagé, je ne sais pas. De là, je dirais que non, mais. C'est rajouté pour la vie. On en dit là, je pense qu'il va pointer. Donc ça va faire un sacré écart au score, de toute façon. Alors c'est 4 ou 5, hein. Bien sûr. Ça déroule, hein, chez les Varrois, ça déroule. Hein. Pourtant, les coups d'armor font un beau jeu quand même, ils apparaissent tout à l'heure. Mais... on va attendre que les délégués. Ça sera 5 points, je pense. Ouais, c'est responsable, sinon Dylan aurait été tiré, je pense. Et par rapport à la même, 10 à 0 pour les triples champions de France. Le but est au niveau de 50. Eh bien, 10 à 0 moché contre Free. Yara, on joue depuis 20 minutes. Seulement 20 minutes. Ah, et on dit qu'à changer de tactique par rapport à tout à l'heure, ce qui va à monter. Bon point derrière le bouchon. Allez, Corentin. C'est manqué. Ça doit quand même pas être facile mais, de jouer contre une équipe en quart de finale de championnat de France. Allez mon petit, allez. Corentin qui est sur cette partie, trois trucs d'affilée pour Corentin, il ne pas de tir. C'est bien tiré, ils ont l'air heureux quand même, les joueurs de Côte d'Armor, je pense que pour eux c'est l'un des joueurs de Côte d'Armor, c'est aussi le bon truc des champions français. C'est vrai qu'en résumé, déroule des cuillères. Si j'ai bien entendu, dans les coups, je crois que dans 10 mains, il y a 2 parties et même pas une réunion de jeu, ils avaient gagné 13-1, 13-2. Exact. Ils sont encore fait les coups, ils ont une partie difficile. Après, ils ont gagné 13-11. Mais sinon, après, ils ont bien tiré. Bien tiré. Corentin qui s'est repris, hein. Malgré tout, c'est vraiment cette même s'il a fait un coup. Hein. Le problème, c'est que t'as encore une coupe de retard. Il n'y a pas de déchet du côté de l'équipe du bar. Pour l'instant, non, ça joue là. Il n'y en a jamais. Il n'y en a jamais, donc il faut jouer plein coup. C'est ça. Tout est bien. Ou alors, il faut chercher un seul boule dans le coffre pour jouer à 12 boules, 26. Et encore. Tandis que chez les femmes, sans rien penser, il avait marqué 2 points et même 7 à 3 contre Taïro. Toréa de la haute guerre. Je pense qu'il va pointer. Je suis pas sûr que ce soit vraiment la bonne solution. Je pense que c'est ça, parce que Dylan a 3 boules. 3 boules à 3. S'il gagne le point que Dylan vient à cadrer, il va partir au bouchon. Autant tirer là. Je pense qu'il peut faire un petit palais et puis. C'est surtout quand il y a un double circuit, tu perds pas encore. En plus, c'est perdu. Elle était bien envoyée, mais elle est pas très bien tombée.
Alors à 3 boules contre 2, Christophe, je pense qu'il va tirer au but. Sur le 49 de points supplémentaires pour Vincent Denis Ponce. Tiens, Frigara qui a très bien dans sa boule et il a qu'à tomber sur une tête, c'est ce qu'on vous disait. Dans ce sens-là, il y a 2-3 têtes qui sont ressorties avec le nombre de parties qu'on a eu hier sur ce terrain. Donc il a très bien joué, il est parti. La deux solutions, c'est on tire 2 fois pour ne pas perdre et être mené encore 0-1-0-2. Ou alors on se rend sur le champ, il n'y en a plus qu'une. Il faut tirer le but, il n'y a que ça fait. Ou la boule, si tu tiens bien 2 fois la boule, tu perds pas. Comment là, encore en train de sourire. Oui, mais l'idée est tendue hein, depuis le début de la partie. Oui, puis ils ont fait un match en 8ème, l'équipe de Christian Lagarde, champion de France à Dijon en 2007, avec Alain Falupo et Stéphane. Alors qu'est-ce qu'il décide Qu'est-ce qu'il décide hein, Allez, je crois que ça va au bouchon. Là, il tire au but. C'est pas ça. Alors, ça va être très compliqué. Hein, parce que... 3 boules à Dylan Rocher. Contre une. Ouais. Malheureusement, pour les joueurs des Côtes d'Armor, j'ai bien peur que ça sente la fin. À moins d'embouchonner, toi, un peu de bouchon sort sur tir Dylan et on n'en perd que 2. C'est bien envoyé encore. Ah, c'est quasiment la même que la première, il n'y a quasiment pas d'écart de gomme. C'est très très bien. Ah, Dylan Rocher, 3 boules. Là par contre, c'est bon, on peut le faire pour de la bonne race. 10-0, si vous avez encadré celle-ci. Même sans cadrer, tu as juste à taper, tu rajoutes après. Oui, c'est mon golfier. C'est pas droit. C'est pas droit. Les spectateurs sont surpris. Mais même nous, du coup. Nous aussi. Que... Ça se trouve, c'était pour faire carreau à celle-là. C'est la carreau gagnante. C'est le premier trou de Rocher. Là, voilà. Un bon champion. Très beau carreau à côté de la très, très souvent, quand il fait un trou, c'est la carreau. Sur sa deuxième tentative. Voilà, c'est ce qu'on disait. Le bouchon a bougé un peu. Ben, le bouchon a bougé. Il a peut-être cassé son poil de devant, il me semble. On va mesurer. C'est ce qu'on disait. Quand un joueur qui se fait un trou, il y a normalement un carreau derrière. C'est ça. Je pense que. Alors, on va mesurer le deuxième, mais. Je... Derrière. Effectivement, je vais aussi également derrière. Mais enfin, si le mesure, c'est qu'il n'y a pas grand-chose. Mais il y aura un carreau gagné. Et derrière. Et bah, c'est bah, y a ou alors c'est prendre oui, le de la peau. On va tirer, je peux tirer. Allez, c'est le carreau gagné pour Dylan Rocher. Elle est belle en l'air. Elle était belle en l'air, hein. On l'a vu. Et ben ça fait 12. Pour un 12, c'est pas pour les Varois. Et le poitier qui dit à son joueur, on s'approche. De toute façon, à mon avis, il y a plus grand-chose d'autre à faire. Alors, je pensais même qu'il y avait la possibilité, même au milieu de la partie, à un moment donné, quand on a joué au-dessus, je pensais que quand Corentin a fait 2 trous, qui restait sur 3 trous à la filet, je pensais qu'ils allaient tourner. Je pense que ça va dépendre de la première d'Henri, parce que quoi qu'il arrive, et à un moment donné, ils vont partir le bouchon, s'ils sont anti-humains, et le fait que Corentin garde peut-être ses boules quand il va jouer pour le bouchon. Donc, ça va dépendre de ça. Et bien là, du coup, pour cette main-là, on va jouer environ à 6,50 m. Ah oui, alors c'est le bouchon, oui, c'est... Ça m'en a eu, je donnerais bien un bon 7 mètres quand même. Ouais, ça m'aurait pas trouvé, ça tourne toujours pas dans les carrières de l'entrée. Hein, c'est toujours une facilité. Là. Sur tous les terrains, il a toujours la solution pour épuiser le tir à l'adverse. Allez, Corentin. Ah, c'est une fois manqué, c'est bien compliqué. Il n'y a pas beaucoup de. C'est un tireur d'instinct pour sa concentration. Non, pas de concentration. C'est pas de concentration, mais je sais pas. Je prends ton temps, c'est un terrain champion de France, je ne pas tous les ans non plus. Tu profites. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on envoie le pointeur tirer la sienne? Ou est-ce que Corentin retourne? C'est Corentin qui retourne tirer.
Le pointeur est plus utilisé, je pense, et puis lui garder ses deux bouts de bouchon. Il tire le but. Il bouchon dans le bouchon. Alors, 4 bouts de tirer le bouchon après, c'est pas grave. 4 bouts de tirer. Je pense que c'est. Ils sont un peu perdus. Hein. Ils sont un peu perdus parce qu'ils pouvaient encore taper la coupe. Non, mais ils ont pas la sensation de faire grand chose. C'est trop dur contre des joueurs comme ça. C'est taper. Ouais, c'est tiré. Mais le bouchon qui a reculé. Et je pense qu'il doit être à peu près à 4m10 le terrain d'à côté. Serge. Voilà. Serge. Merci. Comme je le disais hier quand on a commenté la partie de Stéphane Domino et Benjamin, à Dijon, c'est souvent que ça arrive, hein, que ce soit pour Dylan ou pour Stéphane. Hier, il y a eu la même chose avec l'équipe de Marseille. Donc, quand on avait reculé, et ben là, c'est pareil. Et qu'est-ce qu'on fait là? On tire le bouchon? Bah, non. On pointe, on essaie de faire un bouchon. Moi, j'aurais tiré. J'aurais retiré le bouchon, ils ont commencé. Ah, il a essayé de tirer le bouchon à couper. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Jean-Henri, la mettre, je pense. Le point Henri qui est à peu près 1m50 derrière. Oh, c'est pas une des plus dures qu'Henri a pointé. Oh, puis il a fait bouchon juste derrière. Ça veut dire que maintenant il a condamné. Alors il a joué 50 à côté. Hein. Non, mais ce qu'il a fait c'est encore mieux. Parce que du coup le bouchon, ça va être très dur à le sortir maintenant qu'il est collé à la boule. Il va tirer à Croupi. Ouais, c'est chiant, ça sent vraiment la fin. Moi j'ai envie de lui dire, fais-toi plaisir, fais un petit carreau la dernière. C'est ça. Ben les Varrois, du coup, qui vont être ensemble pour cet après-midi, parce que 30 oui. minutes de jeu. Alors, on est à 30 minutes de jeu. Ça a été très vite. Voilà, il a fait voilà. Carreau dessus. Ben là, je pense fini. Qu'on assiste à la dernière mène. Comment que. Je pense que Dylan a eu des boules de gagne plus dures à tirer que celle-ci. Hein. Dylan Rocher, sans peut gagner. Et voilà, c'est Carreau gagné. Bravo, de Dylan Rocher. Et de Henri Lacroix qui se qualifie pour les demi-finales de ce championnat de France. Christophe, on a vécu malgré tout une belle partie. Hein. Oui, après ça joue sur des fois un peu les détails. Et c'est vrai que bon, les barreaux ont joué plein. Hein. Il y a peu de déchets, il y a eu un trou de Dylan seulement. Sur 4 mains, donc ils sont 24 boules de jouer. Ils en ont joué 23 sur 24. Hein. Et ça, au bout d'un mois, il n'aura pas de mal. On va en 4. Et puis après, ils sont partis à la carte sur la deuxième main. Eh bien Christophe, je te remercie d'avoir commenté cette partie, ça nous fait très plaisir. Et puis n'hésitez pas à partager la vidéo et participer au jeu concours sur la page Pépinoui. Venez vous abonner. Allez, je vous remercie. Au revoir. Au revoir et à bientôt pour d'autres rendez-vous.